Je vais vous dire quelques petites choses sur moi, parce que je crois que c'est important de les avoir pour lire, pour comprendre mes livres dans le fond. Comme vous l'avez dit, moi je suis un ingénieur, un économiste, donc haut fonctionnaire et professeur à l'université, donc j'avais une vie très, très calme, très tranquille, très savante. Un nombre de livres, un nombre d'études. Et ça aurait pu être comme ça jusqu'à la retraite. Et puis les choses se seraient passées de cette façon-là. Et puis il s'est passé quelque chose qu'on ne souhaite à personne. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, au Daesh, en Irak. C'est la guerre civile. La guerre civile, c'est la guerre la plus atroce qui se puisse imaginer. À côté de la guerre civile, les guerres normales, on va dire, entre deux pays, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade parce que l'ennemi, c'est l'autre, il est loin, il est à la limite, on n'a pas à savoir ce qu'il est. Par contre, la guerre civile, c'est tuer sa sœur, c'est tuer son frère, c'est tuer... C'est dans les familles. Et autant la guerre avec l'autre, l'ennemi extérieur, exalte les valeurs nationales, renforce le récit national et rapproche les citoyens, autant la guerre civile, évidemment, elle sépare les gens dans la famille. Deux frères sont peut-être de camps différents. Mais pire que cela, elle détruit le socle moral, des valeurs morales sur lesquelles la société est bâtie. Il n'y a plus de morale. Après une guerre civile, on ne peut plus reconstruire. On reconstruit après une guerre entre l'Allemagne et les Français. 5 ans après, tout était reconstruit. 5 ans après, l'Allemagne et la France étaient des amis. Et ils le sont encore, un peu moins, mais ils le sont encore. Mais dans une guerre civile, il n'y a plus, les valeurs ont été détruites. Or, c'est sur cela que l'on construit. Et donc on ne guérit pas d'une guerre civile. Ça peut durer un siècle, ça peut durer 2 siècles, on ne guérit pas. Ou alors il faut des situations très particulières. Et c'est ça qui, quand autour de vous, la guerre civile arrive, comme en ce moment en Syrie, en Irak, vous ne croyez plus en rien. Vous-même, vous pouvez du jour au lendemain devenir un énorme tueur. Vous pouvez tuer dans des conditions abominables. Vous ne croyez à plus rien. Vous ne voulez plus rien d'autre que tuer, 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 tuer. Vous êtes pris là. Et donc, la population est dans une guerre civile immédiatement divisée. En 2, puis en 4, puis en 6, puis en 8. Des groupes, des sous-groupes, des chefs, comme on l'a en Syrie, qui comprend ce qui se passe. Tout le monde se bat contre tout le monde. Un certain nombre de personnes ont pu résister à cela. Alors, on essaie de réfléchir. Tout à l'heure, on parlait avec vous, madame, de Mimouni. Mimouni est un des éléments, un de ces hommes qui sont restés logiques, qui sont restés humains, et qui a rassemblé autour de lui quelques personnes, des intellectuels, des écrivains, des journalistes, des gens qui, avant la guerre, se battaient pour les droits civiques, pour la démocratie, pour, plus souvent dans la clandestinité que sur le terrain officiel. Et donc, Mimouni, qui est mon ami depuis le lycée, m'a demandé de rejoindre ce groupe. Mais je lui ai dit, moi, je ne sais rien faire. Je suis un ingénieur, je suis un économiste. Alors il m'a dit, mais justement, faire une contre-guerre, comme la guerre fait usage de tout bois. La guerre, ce n'est pas seulement tirer avec des fusils, c'est aussi détruire l'économie, c'est détruire le système d'information, détruire les valeurs, détruire. Donc il faut reconstruire dans tous les domaines. Alors, dans ce groupe-là, moi, j'étais chargé de travailler sur les questions économiques.
Parce que quand il y a la guerre civile, on se pose la question, elle vient d'où la guerre civile? Avec l'ennemi extérieur, c'est très facile. C'est pour des questions, je ne sais pas, questions de frontières. Voilà, c'est toujours pour des raisons relativement faciles. Mais dans une guerre civile, on ne sait pas trop pourquoi on en est arrivé là. Moi, j'étais à l'époque de ceux qui pensaient que ce qui pouvait expliquer une guerre civile, c'est l'économie. Parce que partant de la logique suivante, de la séquence logique suivante, l'économie ne fonctionne pas, donc il y a du chômage, donc il y a de la misère, donc il y a de la colère, donc il y a de la violence. Et une fois que la violence démarre, ben c'est comme le feu qui démarre, on ne peut plus l'arrêter. On l'éteint ici, il prend là, et je pensais ça. Et donc j'ai travaillé, mais en travaillant sur ces rapports-là qu'on faisait pour les adresser à qui? Pas aux Algériens qui se battent entre eux. C'était pour vous, pour les Européens, pour les Occidentaux, pour l'ONU, pour voilà, les Nations Unies, pour leur dire, il y a une guerre civile chez nous, si vous, nous on ne peut pas l'arrêter, on est dedans. Si vous, vous ne l'arrêtez pas, un jour elle va arriver chez vous. Parce que les guerres civiles, ça va comme ça. Et donc, dans la partie qui était la mienne, j'expliquais que si les Occidentaux, les Européens voulaient essayer d'arrêter cette guerre, dans le domaine de l'économie, voilà ce qu'il faut faire. Il faut aider ces pays à reconstruire, au moins à avoir à manger. Etc. Et à partir du moment où quelqu'un a un travail et arrive à se nourrir, il est moins dangereux que celui qui n'a pas de travail et qui est. Parce qu'il va chercher à défendre ce qu'il a. Je me suis vite rendu compte au bout de quelques mois de ce travail que c'était une grosse erreur. Parce qu'il n'y a rien qui divise plus les humains que l'économie. Puisque l'économie est basée sur l'argent, la production, et donc elle crée des inégalités. L'économie, si elle n'est pas encadrée par des valeurs, par la philosophie, par la politique, c'est la source première des inégalités. Elle fait des riches, elle fait des pauvres, elle fait ceux qui sont endettés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui gagnent beaucoup, etc. Ça fait des jalousies, ça fait des différences, et ça crée des divisions au sein de la société. Voilà. Et donc j'ai abandonné cette démarche. Et voilà, après je ne savais pas quoi faire. Avec le groupe, dans ce groupe, il y avait des écrivains, en particulier un écrivain, Tahar Jaoud, qui a été donc assassiné par les islamistes. Et lui, c'est très curieux, la guerre civile, pour lui, c'est en réalité une guerre que... C'est la reprise, aujourd'hui, d'une guerre faite par ceux qui sont morts déjà il y a très longtemps. C'est ressusciter des guerres anciennes. Si on se bat entre nous aujourd'hui, c'est parce que, au cours de l'histoire, il s'est passé des choses qui ont divisé les gens. Par exemple, quand l'islam est arrivé en Algérie, évidemment, il a tué tous les chrétiens. Ça reste parce que l'Algérie était chrétienne à 100%. Et l'arrivée de l'islam, évidemment, détruit un socle ancien et met un autre. Et il y a des tueries et des guerres. Mais elles ne s'effacent pas. Les guerres ne s'effacent pas. Ça reste dans l'imaginaire des gens. Il y a ça. Il y a la colonisation. C'est des guerres. Les différentes colonisations. L'Algérie a toujours été colonisée par les Romains, d'abord par les Grecs, tiens, puisqu'on est chez vous. Nos premiers colonisateurs, c'est les Grecs,
qui ont colonisé l'Afrique du Nord, et en particulier l'Algérie, pendant un ou deux siècles. Après, ça a été les Phéniciens, après, ça a été pendant un siècle. Après, ça a été les Romains, pendant cinq siècles. Après, ça a été les Byzantins, deux siècles. Non, d'abord, ça a été les Vandales, un siècle. Les Byzantins, deux siècles. Et puis ensuite sont arrivés les Arabes, pendant deux siècles. Sont arrivés ensuite, des petits épisodes, les Espagnols, et ensuite les Portugais. Et puis sont arrivés les Turcs pendant cinq siècles. Et puis les Français pendant un siècle et demi. Donc cette histoire perpétuelle de colonisation qui a dressé les Algériens, les habitants, les uns contre les autres, a laissé dans l'imaginaire des gens, de vieilles haines, de vieilles choses. Et ils pensaient cela. Ils pensaient que les guerres d'aujourd'hui, c'est la réédition de guerres anciennes, auxquelles s'ajoutent évidemment des motifs plus actuels, évidemment. C'était une idée. Il y avait parmi nous, dans ce groupe, des gens qui travaillaient sur des avocats, surtout, qui travaillaient sur la question des droits de l'homme. Ce serait donc la question des droits de l'homme. Les pouvoirs distribuent très mal les pouvoirs, les droits. D'abord, ils se donnent les droits les plus anciens. Ceux qui sont au pouvoir prennent l'essentiel des droits, puis ceux qui restent, ils les distribuent entre le peuple. Et comme il y a toujours des hiérarchies, des baronnies et tout, finalement, en bas, le bonhomme, on lui dit « Tu vis dans une société de droits », mais quand il regarde, il n'a pas un seul droit. C'est le cas, par exemple, dans un pays comme ça, où on dit « Vous regardez la constitution algérienne, c'est la constitution française ». Les droits de l'homme, les trucs et tout ça, et puis en bas de chaîne, vous avez les femmes, n'ont aucun droit. Voilà, et ça, ça ne peut pas rester, ça ne peut pas ne pas provoquer des choses quand la guerre civile explose. Voilà. Et donc, j'ai travaillé ensuite sur quelque chose qui finalement. Un créneau sur lequel je suis resté et sur lequel je travaille jusqu'à présent, c'est la religion et plutôt la violence que engendre la religion. La religion est le seul phénomène qui légitime la violence. Tous les autres systèmes considèrent la violence comme un pis-aller, comme une chose inévitable, que hélas, on tue, on fait ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'y a que la religion qui donne à la violence une parfaite légitimité. C'est légitime de tuer les juifs. C'est légitime de tuer une femme qui a commis l'adultère, et ainsi de suite. La violence devient légitime. Et ça, c'est terrible quand on légitime la violence verbale, la violence, le fouet, le meurtre, le... Et c'est sur ça donc, que je travaille. L'impact des religions, même dans une société laïque. La religion ne disparaît jamais. C'est pas parce qu'on est laïque ou athée que la religion a disparu. Elle est dans nos gènes, elle est dans notre histoire. On agit de manière religieuse alors qu'on est athée et laïque. Il est très difficile d'évacuer la religion. C'est des siècles, des millénaires. Il suffit de regarder autour de vous, de voir que peu importe ce à quoi on croit, on est agi par les pulsions religieuses. On est là-dedans, la société est ainsi faite. Et la légitimation de la violence. Donc, ce qui rend la guerre civile très naturelle. Alors qu'on comprend très bien que la guerre avec l'autre, finalement, n'est pas si naturelle. On aurait pu discuter et trouver une solution. Mais dans la guerre civile,
c'est des machins d'épuration. C'est, on tue au nom de la religion, même si on n'en a pas conscience. Et c'est ça les deux, trois thèmes qui traversent tout les livres. Voilà. Et donc, j'ai écrit mon premier roman, c'était là, au cours de l'histoire, les sociétés humaines ont appris à socialiser la violence. La violence, on va dire, de caractère civil, de caractère non religieux. Par exemple, on a inventé des milliers de procédures pour résoudre tous les niveaux de violence. Par exemple, je vous bouscule dans la rue, donc je vous ai agressé sans faire attention. Mais je me tourne, je vous dis pardon. Ça suffit pour... Donc la politesse est un système de règlement de ces petits conflits. Excusez-moi, je peux m'excuser, des trucs comme ça. Certaines formes de galanterie et tout ça, ça règle beaucoup de problèmes. Et ainsi de suite, on a inventé la négociation. On a un conflit, des individus en conflit d'intérêts, ils discutent entre eux au café, au restaurant, ou même dans la rue, et ils trouvent une façon de régler le... Voilà. Et on monte. Puis il y a des conflits un peu difficiles à régler par la politesse. Si vous tuez quelqu'un, vous ne pouvez pas le dire « Ah, excusez-moi, je vous ai tué. » Et ainsi de suite. Donc, on a inventé quelque chose. On a inventé la justice, le droit. On a inventé le droit. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, on dit si vous avez volé, ben voilà ce qu'on vous fait. Si vous tuez, voilà ce qu'on vous fait. Et c'est admis, puisqu'on fait ça de manière consensuelle. On a construit quelque chose qui permet de... au-delà, on ne sait plus. Au-delà des meurtres collectifs, des vendettas, des trucs, là, on ne sait pas, on se réfère à la religion. On revient à la religion, au récit, à de vieux récits. Bien, il y a une situation comme ça. Dans le temps, Moïse à régler ça de cette manière-là. Donc on revient à la religion. Dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, c'est ce qui s'est produit, et voilà comment, au nom de Dieu, on a réglé le problème. Et donc la religion est l'instance judiciaire, juridique, suprême. Et ça veut dire qu'au bout du compte, nous sommes... Quelle que soit la forme d'État dans laquelle nous vivons, nous sommes en dernier recours sous la juridiction de la religion. Parce que quand on a tout épuisé, on en appelle à Dieu, au diable, et à ses saints. Et c'est ce que je crois. Jusqu'à un certain point, j'y croyais, parce que je me suis dit, à un moment donné, d'accord, dans les sociétés plus ou moins archaïques, comme nos sociétés en Afrique et tout ça, mais il y a les pays du Nord, les pays occidentaux, eux ont connu tout cela et ils ont quand même réussi à aller au-delà. Et le siècle des Lumières, des gens ont compris qu'il faut absolument rester simplement sous la juridiction des hommes. Un homme ne peut être que sous la juridiction d'une loi humaine. Parce que ça permet la discussion. Si à un moment donné on fait rentrer Dieu, il n'y a plus de discussion. Et au XVIIIe siècle, en Europe, on a compris ça, donc on a mis la religion dehors. Et donc on a rebâti un système bâti totalement, exclusivement, en théorie, sur la volonté humaine. Et donc c'était mon idée de dire, bon, eh bien, si nous voulons régler nos problèmes chez nous, regardons ce qui se passe en Europe et étudions les lumières, réétudions, re-questionnons ces choses-là et essayons d'adapter
C'est pas possible. En cherchant bien, on découvre que l'oxydabre reste, malgré tout, sous la juridiction de la religion. Et ce que nous voyons aujourd'hui le montre assez, que la religion, est, sous une forme ou une autre, est en train de reprendre tous ses droits. Et donc, la solution n'a été là qu'un certain temps, mais très ponctuellement dans un certain nombre de pays. Et là, on est un peu coincé. Comment sortir de cela, on ne sait pas. On voit bien que aux États-Unis, en Europe, la religion reprend des territoires entiers, ou si ce n'est pas en tant qu'institution religieuse, ce sont les idées de la religion qui reprennent du service. Et c'est en fonction de ça que l'on juge. Donc, c'est pour ça, par exemple, dans un pays comme en France, le débat sur la laïcité était très très fort tout le temps. Parce qu'on a pris conscience que la religion a repris du service comme au cours du Moyen-Âge, etc., on raisonne en fonction de la religion. Et on ne parle que de religion en Europe, en ce moment. Que de religion. La religion islamique, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'Européens maintenant qui sont musulmans. Mais on parle aussi de la religion catholique, juive et tout ça, mais pas seulement. La religion peut changer de nom. Dans les droits de l'homme, il y a un aspect religieux là-dedans. C'est peut-être une nouvelle religion qui est en train de naître. Ou c'est peut-être une évolution du protestantisme qui devenant laïque, va plus dans le droit, vers le droit, que vers les questions eschatologiques ou spirituelles. Donc il y a une réappropriation de tous les systèmes, y compris de la démocratie. En tant que système de gouvernement, on réintroduit ces choses-là sous d'autres noms. La religion peut porter le nom que vous voulez. Religion, on l'a toujours appelé religion, mais on peut l'appeler autrement. Donc, et vous ne le voyez pas. Si on lui change de nom, vous ne voyez pas que vous êtes dans un système, vous le croyez laïque, matérialiste, mais il ne l'est pas. Il est religieux. Fondamentalement, il est religieux. Donc on est dans cette situation. Ça veut dire que la violence est là pour très longtemps, elle est en train de s'installer, elle s'organise, et que il faut trouver, la supprimer, ça paraît pas possible, mais il faut trouver le moyen de l'endiguer, de la contrôler. C'est comme dans les volcans, les tremblements de terre, on ne peut rien faire. Mais on travaille quand même là-dessus, pour essayer au moins de prévoir, pour qu'avant le tremblement de terre, on puisse fuir. Avant que le volcan explose, on déménage, etc., etc. Donc au moins endiguer la violence et la contrôler. Apparemment, on ne sait pas le faire. La demande aujourd'hui, c'est de dire il faut des régimes de dictature, il faut des régimes totalitaires ou forts, comme Trump, comme Poutine, comme eux sont capables, parce que pour contrôler la violence, il n'y a qu'une façon, c'est d'exercer une violence plus grande qu'elle, ou aussi grande. Donc il faut des systèmes capables de répondre à la violence par... on ne discute pas, on tire dans le tas, pour calmer le jeu. Ou trouver des systèmes, comme par exemple le nouveau capitalisme, en diffusant l'idée de l'hédonisme, de la jouissance perpétuelle. On pense qu'on s'éloigne de la violence, des causes qui produisent la violence, puisqu'on est dans une recherche perpétuelle du bonheur et de la jouissance. Donc on est bien, on est truc, on est en bonne santé, on est heureux, on consomme, c'est toujours plus sucré, toujours plus salé, toujours plus beau.
Et donc, on perd ces données qui poussent les gens à la violence. Ça, c'est le système. Le capitalisme beaux-arts est en train de diffuser cette religion, une contre-religion. C'est la religion du plaisir, du libéralisme, de pouvoir faire contrepoids à la violence magique des religions. Mais sinon, il y a le système du droit aussi. Dans certains pays, on légifère tellement que finalement, vous vivez dans une prison. Voilà, vous allez en Suisse, vous jetez une allumette, on vous met en prison. Dans la rue, on légifère sur tout. Donc il y a des lois partout, ça veut dire qu'il faut des policiers partout. Et mieux que des policiers partout, il faut que chacun devienne policier de son voisin. L'espion de son voisin. Donc ça mène à la société orwellienne que je décris dans 2084, où on devient son propre bourreau. Et donc on est coincé dans la recherche d'une société au moins apaisée, on est coincé. C'est une explication du pessimisme. Oui, alors je m'insurge, j'ai toujours contre l'idée des mots pessimistes ou optimistes. Non, je ne peux pas dire que cette table est pessimiste. C'est la réalité. C'est une table. Je ne peux pas dire qu'elle est optimiste. C'est une table. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est d'écrire les choses comme moi je les vois. Peut-être que moi je suis pessimiste ou optimiste, je ne vois que les mauvais côtés. Il doit y avoir de bons côtés à côté. On n'a pas parlé, mais il doit y en avoir. Mais ce sentiment est partagé, j'imagine, par une immense majorité des gens. Nous voyons que les choses se passent comme ça, dans cette situation. Voilà. Je me permets de poser la première question. Moi, en lisant vos livres, je pensais que c'était une tentative donc, d'interprétation de ce qui se passe, un acte civique au fond, parce que vous avez expliqué que vous êtes allé d'abord par l'économie ou par d'autres instruments pour expliquer pourquoi c'est comme ça. Et donc, c'était vous arrivez à l'écriture, surtout dans par impulsion ou par un raisonnement pour expliquer la situation autour de vous. Et dans votre livre Le village de l'Allemand, c'est aussi un livre vraiment prophétique de ce qui s'est passé après. Si c'est prophétique, le 1984, à l'époque, une fois que vous avez écrit ce village de l'Allemand, si les politiques l'avaient vraiment lu et pris au sérieux, je pense qu'ils auraient mieux expliqué la situation que depuis tous les actes. Terroristes et tout ce qui se passe autour de nous. C'était vraiment un livre très important au moment où il est sorti, n'est-ce pas ? Dans l'explication de ce qui se passe actuellement. Il ne faut pas qu'on ait des heures sur cette question-là. Quand vous dites quelque chose, il n'est pas sûr que celui qui vous entend ce que vous avez dit. Et c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Parce que nous lisons avec une grille de lecture qui est la nôtre. Voilà, vous, vos valeurs humanistes, etc., etc., qui sont proches des miennes, vous avez lu, vous parlez du village allemand comme moi je l'ai écrit. En gros. Mais lu par. Par certains, par exemple des islamistes, c'est une œuvre diabolique. On dit, dans certains pays musulmans, en Iran, tout ça, on a dit que c'est un livre diabolique. Il n'a pas été écrit par un homme, mais il a été écrit par le diable. Et pour moi, c'était donc, l'explication de comment c'est la France aujourd'hui, comment c'est toutes ces générations de jeunes arabes et ces malaises qu'il y a dans la société. Enfin, pour moi, c'était clair et net. Oui, mais absolument.
J'ai écrit comme ça, vous l'avez compris comme ça, mais moi je constate que dans beaucoup, beaucoup de pays, il n'est pas du tout nul comme ça. Je vous citais juste une petite anecdote pour vous dire. J'étais à Bordeaux il y a quelques années, dans la librairie Mola. Pour ceux qui connaissent la librairie, c'est un peu... La librairie Mola, c'est la plus grande librairie du monde. Elle fait 5 étages. C'est vrai? Ah oui, c'est la plus grande librairie du monde. 5 étages. À chaque instant, il y a au moins 10 000 personnes dans les couloirs, dans les trucs. Et des salles de conférence comme ça, des petites, des moyennes, des grandes, il y en a des dizaines. Donc au même instant, il peut y avoir une conférence ici, dans la salle là-bas, en haut, au cinquième étage, au quatrième. C'est terrible. Et donc dans un amphithéâtre, moi je parlais du village, du serment des barbares. C'était un peu l'idée de Tarjaout. L'histoire se réécrit. C'est ce qu'on dit tout le temps, l'histoire se réécrit. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est les guerres qu'ont faites nos ancêtres, que nous sommes en train de refaire aujourd'hui, avec d'autres méthodes, avec d'autres moyens, avec d'autres, et probablement pour d'autres objectifs. Mais c'est la même guerre qui continue. C'est comme on dit dans les stratégies militaires, la paix c'est une autre façon de continuer la guerre. Parce que pendant la paix, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prépare la prochaine guerre. Parce que les arbres s'équipent, on s'entraîne pour la prochaine guerre. Et donc, c'était le sujet de ce... Alors je parle pendant, comme ça, pendant une heure. Que de violence, la violence, la violence, la violence. Bon, question. Très passionné, encore une heure, on a fini. Et là, il y a une femme là-bas au fond, une vieille femme qui se lève et dit « Je veux poser une question. » Alors, la modératrice, comme vous, lui dit « Ah non, c'est trop tard. C'est trop tard, on a fini, on doit libérer la salle parce qu'il y a une autre réunion qui commence tout de suite après. » Et les gens, d'ailleurs, étaient dans le couloir à attendre pour rentrer dans la salle. Et alors, je dis « Bon, laissez-la rapidement, on va se faire ça rapidement. » Alors, elle se lève. Elle dit, monsieur Sansal, vous êtes un homme très méchant. Oui, hein. Et elle me dit, alors je lui dis, peut-être, oui, mais qu'est-ce que vous avez contre les chats? Les chats? Oui. Ah, je lui dis, madame, je crois que vous êtes trompée de salle. Vous allez voir une réunion quelque part. Quelqu'un a écrit un livre sur les chats et vous êtes venu par erreur ici. Elle me dit, elle prend mon livre, elle dit non, c'est vous qui avez écrit ce torchon là. Et je lui dis, ah oui, oui, ça c'est moi. Et elle me dit, voilà, monsieur, le chat est un être adorable, et c'est le truc, le machin, et vous ne parlez que de violence et de etc. Et puis vous détestez les chats. Je lui dis, madame, je vous garantis que non, j'adore les chats. Et alors, elle sort une soirée comme ça, et puis elle dit, regardez ce que vous dites, ah bon chat, bon rat, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, etc. Allez, la sortie. Moi, je suis un méditerranéen, et comme tous les méditerranéens, on utilise beaucoup dans notre littérature les proverbes, les adages, les formules. Et elle a trouvé comme ça une trentaine de proverbes qui dénonce les chats, et il est venu faire mon procès à cause des chats. Donc voilà comment on peut lire le même livre, comment on peut l'écrire. Et alors dans la salle, il y avait effectivement, alors dans la salle il y avait des gens qui pensaient différemment, qui certains pensaient que je légitimais certaines formes de violence. Par exemple, certains légitimaient la pensée qu'on peut légitimer la violence coloniale parce que le discours qu'il peut y avoir derrière ça, c'est que le colonisateur vient vous amener la civilisation. Hein? Donc, du coup, c'est pas la violence. Il est venu vous apporter la civilisation. C'est ce que pensaient les Américains avec les Indiens. Ils disaient, on leur amène
La civilisation, c'était la civilisation européenne. C'est des Européens qui viennent en Amérique. Ils trouvent des Indiens qu'ils appellent les sauvages. Et ils le ramènent. Et ceux qui ne veulent pas, ben, ils les tuent. Donc, vous voyez. Et alors, on peut faire toutes les lectures de livres. Moi, je pensais que écrire un livre, ça suffisait. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, il faut aller se battre avec ceux qui le lisent différemment. Il y a des questions, des interventions. Je voudrais vous remercier parce que c'était très intéressant de voir la vision d'un écrivain, d'un scientifique algérien ici en Grèce. On n'a pas souvent cette occasion. Et vous avez parlé du passé historique de l'Algérie, vous avez parlé de la religion et tout ça, c'était vraiment très éclaircissant. Dans le sens où la religion, c'est vrai qu'il y avait des chrétiens en Algérie. Et d'ailleurs, l'Algérie latine, le fait qu'il y avait une Algérie latine, on la retrouve sur les sites romains, etc. Et c'était une manière pour expliquer la présence française après avec la colonisation, parce qu'on avait l'Algérie latine d'un côté qui était chrétienne, et puis on avait l'Algérie française qui était également chrétienne, donc on pouvait expliquer que voilà, la colonisation, c'est une suite normale, que ça pouvait arriver, que l'islam était quoi? Était juste du temps réduit. Une parenthèse. Entre-temps, on avait les Byzantins, on avait les barbaresques, avait tout ça. Donc c'est vrai que c'est riche comme passé historique de l'Algérie, et peut également causer des problèmes, parce qu'on avait la cohabitation de plusieurs ethnies, vous avez également les berbères, de plusieurs religions, et puis la colonisation française, elle n'était pas superficielle. Ici, on a affaire à une colonie de peuplement où entre 1830 et 1962, il y avait 1 million de Français qui étaient là, qui étaient des chrétiens. Et ils avaient promulgué des lois, parce que vous avez parlé de la Torah et tout ça. Et c'est vrai que les lois Crémieux étaient des lois qui favorisaient les Juifs. Donc, dans le même pays, on avait des musulmans qui n'avaient pas vraiment tous les postes à l'administration, étaient plutôt aux Français, à certains Juifs. Il était rare, les musulmans qui avaient vraiment des postes de hauts fonctionnaires. Je parle de la période de la colonisation. Et puis, par la suite, il y avait des Algériens, et sur ce point, j'aimerais vous poser des questions, qui avaient soutenu les Français, en Algérie même. Je ne parle pas seulement des Harkis qui sont partis en France, je parle des Algériens qui n'ont pas pu partir et qui sont restés sur place. Donc, ces gens existent. En France, on n'en parle pas. En Grèce, nos connaissances de l'Algérie sont vraiment très, très réduites. Donc, par la suite, on avait eu toute une série de guerres civiles. Et le fait qu'il y avait, dans le même pays, des gens qui se sont vraiment battus pour l'indépendance. Et d'autres Algériens, peut-être minoritaires, qui pensaient que la colonisation était quelque chose de bon, ou en tout cas pas de méchant, ou qui ne se sentaient pas prêts de se libérer du jeu colonial, c'était peut-être la cause de plusieurs problèmes. De problèmes qu'on sait que vous abordez dans vos ouvrages. Et est-ce que c'est le cas? Ce que vous dites est entièrement vrai. L'idée de l'indépendance est une idée dans les pays colonisés, en Afrique noire, au Maghreb et tout ça, est une idée très récente qui est née, on va dire, après la Première Guerre mondiale. Avant cela, la question de l'indépendance ne s'était jamais posée. Les Algériens soit étaient indifférents à ce qui se passait, donc des pauvres gens qui vivent dans les campagnes, qui vivent leur vie normalement. Et puis ceux qui vivent dans les villes, ils étaient dans un processus d'évolution. Mais ils n'étaient plus dans les campagnes, donc ils travaillaient dans les usines, ils ont commencé une nouvelle vie.
tant qu'ouvrier, syndicaliste, etc., etc. La question de l'indépendance est née après la Première Guerre mondiale. Le mouvement, pourquoi? Parce qu'il est né à cette époque-là, en Égypte, peut-être plutôt même au Liban, Syrie, Irak, et puis ensuite ça a été repris en Égypte avec beaucoup de puissance, parce que l'Égypte était un grand pays, c'est le plus grand pays arabe, est né un courant qu'on a appelé le panarabisme. En réaction au panarabisme, et s'est créé tout de suite après, un courant qu'on appelait le pan-islamisme. Et c'est lui aujourd'hui qui est une question de terre. Donc, deux courants, le contenu, c'était quoi? C'est d'inspiration communiste, puisqu'à à cette époque, tous les pays arabes indépendants étaient proches de Moscou, influencés par Moscou. Donc, Moscou, élargissant sa sphère d'influence dans le monde, poussait tous les pays de la périphérie à se libérer du colonialisme anglais, allemand, français, espagnol, etc. Et c'est comme ça qu'est né le panarabisme, la construction d'une seule nation arabe, du Maroc jusqu'en Irak, inféodée à Moscou. Réaction des musulmans, Moscou c'est des athées, des communistes, hors de question, si on se regroupe, si on regroupe la nation arabe, c'est autour de la valeur islam. Donc ils ont créé le pan-islamisme. Et voilà deux systèmes concurrents qui ont lutté les uns contre les autres. Depuis, on va dire, un peu avant la Première Guerre mondiale, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale. En Algérie, comment ça s'est passé? Il s'est créé des partis, deux ou trois, se revendiquant du panarabisme. Donc on se bat pour nous libérer, pour rejoindre la grande nation arabe, etc. Et puis il s'est créé un mouvement pan-islamiste. On se bat pour l'islam, pas pour les territoires. Ça, c'est pas important. Un musulman peut vivre n'importe où, aux États-Unis, en France. Ça ne le gêne pas. Et il s'est créé, alors, en réaction à cela, des mouvements d'intégration à l'Europe, à la France, en disant, mais qu'est-ce que c'est? Mais nous, on n'est pas des Irakiens, on n'est pas des Saoudiens, nous, on est des Berbères. Qu'est-ce qu'on va rejoindre, la nation arabe? C'est pas notre truc. L'islam, c'est dangereux. Et donc, il s'est créé un courant d'intégration. Et c'est celui-là qui a été dominant jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu donc, une intégration petit à petit, notamment dans les villes, il s'est créé une petite société algérienne intégrée comme en France dans les banlieues, jusqu'il y a 15-20 ans, c'était des gens qui commençaient à s'intégrer. Et puis, le mouvement pan-arabiste s'est effondré. Ils ont créé la Ligue arabe, les trucs comme ça. Enfin, tout ce qu'ils ont pu faire là-dedans, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'ils ont découvert que les gens qui en réalité sont très différents. Qu'il n'y a aucune. Il n'y a rien de commun entre un Marocain et un Irakien. C'est des peuples différents. Donc, le pan-arabisme s'est effondré. Il s'est effondré d'autant plus vite que Moscou s'est effondré. Le mur de Berlin est tombé. Donc c'est un courant de pensée qui s'est effondré. Qu'est-ce qui reste? Il est resté deux courants. Le courant pro-occidental et le courant pro-islam. Et là, le courant pro-islam a le premier lancé l'idée de l'indépendance. Il s'est créé un parti islamiste de libération. Libération de l'islam, pas de l'Algérie. De l'islam, de la tutelle chrétienne et française. Et puis ce courant pro-occidental, pro-français, a changé à cause des erreurs commises par le gouvernement français. C'est-à-dire qu'il n'a pas adapté
des lois pour donner plus de droits aux Algériens pour... Et donc, il y a eu petit à petit un morcellement de cette chose-là. Il s'est créé 36 000 partis. Les uns, oui, on est français, on reste français, mais il faut que la France lui donne des droits, etc. Ce n'est qu'en 1940, alors, la Deuxième Guerre mondiale passe, 1945, il se passe un événement qui a tout bouleversé. Le jour même, le 8 mai, c'est ça, la libération, 8 mai, 8 juin, 8 mai, 8 juin. La libération, au moment où on fête la libération à Paris. Les Algériens de la région de Constantine, etc., etc., à l'est de l'Algérie, sortent dans la rue pour dire aux autorités françaises, on s'est battu pour la libération de l'Europe et de la France, il faut maintenant donner plein de droits. On est français à 100%, pas à 20%, certains à 20%, d'autres à 50%, et puis les riches le sont à 100%. Nous voulons être français à 100%. Réaction de des autorités françaises, on tire sur la population. Les Français disent qu'il y a eu 8000 morts, les Algériens parlent de 45 000 morts. À partir de là, c'était fini. Les gens se sont dit, alors on s'est battu pour la France, en Allemagne, en Italie, partout, plus de 130 000 morts, et voilà la récompense. Alors qu'est-ce qu'on demandait? On demandait des droits. Ils ont demandé ces droits de manière aussi violente, à un moment donné, parce qu'ils sont partis devant la préfecture et crier tout ça, et à un moment donné, il y a eu des réactions de la police, et qui fait que ça s'est enfermé, il y a eu... voilà, à partir de là, c'était fini. Vous avez parlé du massacre de Sétif. Vous parlez de massacre, c'est comme ça qu'on les appelle. Oui. Mais entre cette date et après la Toussaint Rouge, il y a l'espace d'une dizaine d'années où la situation était relativement calme. C'est-à-dire, après le massacre de Sétif et la Toussaint Rouge, nous avons un espace de temps où ce n'est pas très violent. C'est-à-dire, on a l'impression que la situation va se recalmer un peu. Oui. C'est tout à fait vrai. La situation, évidemment, après cette répression, puis des arrestations, et puis plein de gens ont été exilés ailleurs, notamment à Madagascar, des trucs comme ça, on les a éloignés. Une période de calme, et le gouvernement français a compris. Et il a mis en œuvre un processus qu'on a appelé sur deux plans. Il a d'abord fait ce qui s'appelait le plan de Constantine, c'est-à-dire c'est un plan de développement des régions où on n'habitait que des Algériens. Donc créer des emplois, des usines, des barrages, des HLM, des logements, des... Il y a eu un programme comme ça. Et il y a eu un programme de promotion qu'on a appelé le programme Lacoste. Lacoste était... ancien ministre français et qui était gouverneur de l'Algérie, c'était d'ouvrir les grandes universités, les grandes écoles françaises aux Algériens. Et c'est comme ça qu'il y a eu un rush, beaucoup d'Algériens ont fait l'école polytechnique à Paris, les arts et métiers, l'école centrale, ils ont fait la Sorbonne, ils ont fait... et puis à l'intérieur du pays, il y a eu... On a reçu beaucoup d'élèves, des Algériens, dans des écoles où, qui, avant cela, il n'y avait que des élèves français. Et donc, il y a eu ce... Mais c'était trop tard. Ce qui s'est passé en 1945 a laissé quelque chose. Et puis, il y a eu un... En fait... Ça reste très incompréhensible parce que le mouvement de libération en Algérie a été créé par Sibori. C'était pas une demande du peuple. Le peuple s'était calmé, il y avait de la colère, il y avait des petites choses comme ça, mais enfin bon, c'était pas... Mais Sibori,
se sont réunis, ce qu'on appelle la réunion des six, six jeunes, se sont réunis un jour à la Casbah d'Alger en disant, ils étaient militants de différents partis, hein. Et puis ils ont dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut absolument qu'on déclenche une révolution armée pour nous libérer. Voilà, ils se sont échauffés comme ça pendant toute une après-midi. Et puis ils se sont dit, on va se retrouver dans 10 jours, que chacun ramène un copain en qui il a confiance. Ils se sont retrouvés 15 jours après dans une réunion qu'on appelait la réunion des 22. Ils étaient 22 personnes. Et ces gens-là, dans cette réunion, ont décidé que alors ils se sont réunis en été, au mois d'août. Et ils se sont dit, à la rentrée, nous allons démarrer l'action armée. Et quand, eh ben, Toussaint, ils ont dit, la Toussaint, le 1er novembre, les Français fêtent la Toussaint. Et donc nous allons déclencher ces opérations. Et ils se sont divisés les 22, bon, toi tu pars à Oran, toi tu es à Alger, toi tu es à telle ville, et donc, le 31 octobre, après minuit, chacun de vous fait une opération, une bombe, enfin, ce que vous voulez. Enfin, comme ça se passe en ce moment en Europe, des jeunes, ils prennent le bus et ils foncent sur les gens. L'autre, il va, je ne sais pas où, il allume le feu. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Le 1er novembre 1954, ces 22 jeunes ont déclenché quelque chose et puis ça a pris à une vitesse parce que la réaction des autorités françaises a été insensée. C'est les arrestations dans tous les sens, tout le monde, alors que ouais, il va aller chercher et enquêter sur ces 22-là et les attraper. C'est comme imaginer aujourd'hui, il y a des attentats en France, un attentat par-ci, un attentat par-là, on décide d'arrêter tous les musulmans de France. C'est pas possible. Et beaucoup n'ont rien à voir avec ça. L'immense majorité sont contre les islamistes, donc c'est une réaction folle qui a précipité un courant historique. Il y avait des révolutions partout. Il y en avait au Ghana, il y en avait au Nigeria, au Niger, il y en avait partout. C'était le temps des indépendances, partout. Et donc, en Amérique du Sud, partout, il y avait des révoltes. C'était plus possible d'arrêter la chose. Concernant la question de l'optimisme, je me demande comment est-ce qu'un écrivain arabe pourrait être de nos jours plutôt optimiste dans son approche, surtout algérien, tenant compte que l'Algérie est la première à avoir rentré dans ce bal infernal de guerre civile depuis les années 90. Donc on voit une guerre civile qui presque continue ou qui s'est apaisée quelque peu, surtout comme vous le dites, quand l'alternative c'est une démocratie de façade. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec Bouteflika. Donc je crois que le plus surprenant, ça serait de trouver que vous soyez plutôt optimiste. Je crois que ça, ce serait le plus surprenant dans votre écriture. Alors, je me demande ce que peut trouver un lecteur grec dans votre œuvre. Déjà, l'expérience de la guerre civile a existé en Grèce. C'est-à-dire qu'on a eu une guerre civile pendant 3 ans, très meurtrière, et une après-guerre civile qui a duré 25 ans. Donc, on a eu cette expérience. Donc, ça serait intéressant si des lecteurs grecs peuvent trouver ces éléments-là ou chercher dans cette mémoire collective des éléments que vous décrivez dans votre livre. Et l'autre élément peut-être que des lecteurs grecs peuvent trouver, c'est essayer de comprendre la situation d'aujourd'hui. Parce que si dans les années 80, la guerre civile en Algérie était quelque chose de lointain pour les Européens, pour les Grecs, etc., aujourd'hui, les guerres civiles dans les pays arabes commencent à nous toucher directement. C'est-à-dire, surtout avec ce qui se passe en Syrie, on se trouve confronté à l'arrivée des réfugiés, etc. Donc il y a peut-être deux éléments qui peuvent rapprocher plus votre œuvre au lecteur grec. Et ça me mène à ma question qui s'adresse plutôt à votre traductrice. Quelle est la réception
de l'œuvre traduite de Monsieur Sansal, aujourd'hui en grec, c'est-à-dire est-ce qu'on a des revues, des critiques qui ont été faites dans des journaux, dans des revues, est-ce qu'on connaît le nombre de ventes, est-ce qu'on connaît l'opinion des éditeurs? Pour le deuxième livre, donc le 2084, il vient sortir, donc on n'a pas encore le résultat de la réception. Pour le village de l'Allemand, qui est sorti en grec par les éditions Paul, donc par une autre maison d'édition, il y a 2 ans, je crois, 2014, si je ne me trompe pas. Donc, il s'appelle en grec ou germanos, 2015. Non, bien avant, je crois. Non, je dirais que c'est en 2014, 2010, il me semble. Qui a écrit 2010. Moi, je suis plutôt dans cette... Oui, 2010. Septembre 2010. Il y a un grand nombre d'articles sur le village de l'Allemagne. Oui, donc il a été sorti en 2010, effectivement, 2 ans après... Il y a un grand nombre d'articles critiques sur le village de l'Allemagne. Il y en a pas mal. 2084 est assez récent. Nous attendons de voir la réception. Là, il y a pas mal. Moi, 2084 me pose un problème. Des fois, je me dis, bon, peut-être que je n'aurais pas dû le publier. En fait, j'ai beaucoup hésité, j'ai écrit. Et je me suis dit, le livre va certainement être pris par la vague de ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que l'islamisme qui était au sud, et voilà maintenant qu'il est en train de submerger l'Occident. Et de manière alors pessimiste, il va être très violent. Parce que là, en plus, l'Europe, c'est des chrétiens, des juifs. Donc, tu es musulman, on le fait avec de la haine, mais tu es un juif avec un chrétien, on y mettra un peu plus d'ardeur. Voilà, donc c'est très pessimiste. Et donc, j'avais peur quand... Je me suis dit, ce livre va surfer sur ça, c'est pas bon. Parce que moi, je voulais que ce soit une œuvre de réflexion. Et je suis allé, j'ai cherché dans une direction, j'ai relu ce qui a environné 1984 quand il est sorti, en 1949. Parce que je me souvenais que George Orwell avait eu la même réticence. C'était un truc qu'il avait commencé à écrire depuis très longtemps. Il s'était dit 2 choses. Est-ce que je ne suis pas en train de condamner à travers le communisme la philosophie? Le communisme est une philosophie très intéressante et très passionnante. Et c'est un humanisme très pur. C'est le communisme, voilà, c'est, on est tous frères, on est, voilà. Donc est-ce que en attaquant le communisme dans sa structure policière, etc., je ne porte pas atteinte à cela? Et est-ce que mon livre ne va pas être exploité par les anticommunistes, comme un instrument alors que lui, c'était une réflexion sur les systèmes totalitaires, et partait de l'idée que l'humanité, quoi qu'elle fasse, ne peut pas échapper au système totalitaire. Quand on sera 10 milliards d'habitants sur Terre, et qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a plus de terre, qu'on ne peut pas nourrir tout le monde, qu'on ne peut pas, etc., s'il n'y a pas un système totalitaire, on est dans l'univers de Mad Max. Je vais venir vous tuer juste pour le bout de pain. Donc, regardez l'Afrique qui est dans une situation de sécheresse et tout ça, ils vont remonter sur l'Europe et ils ne vont pas partager avec vous. Ils vont vous tuer pour prendre l'eau et la nourriture. Et vous-même, vous allez peut-être aller là-bas pour les tuer, pour prendre les dernières ressources de pétrole. C'était ça. J'ai retrouvé donc, les articles de l'époque. Oh, je me suis dit, je crois que ce livre, dénoncer le communisme à l'époque et même le marxisme et tout ça, c'était pas dangereux. Là en plus, c'est dangereux.
Donc je me suis dit, mon livre va être perçu comme étant une attaque contre l'islamisme, d'accord, ça je veux bien, mais aussi contre l'islam, on va dire, le plus spirituel, le plus gentil, si ça existe. Et donc je vais être passé pour un fou. Et en même temps, il va être exploité parce que l'extrême droite pousse partout. Et vous vous rendez compte, moi j'ai même été invité par Marine Le Pen, je suis invité par tout le monde. Geert Wilders, là, en Hollande, m'invite. Je me trouve dans une situation difficile. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté, quand, avec mon éditeur, avant que le livre ne sorte, la stratégie, on en a parlé, je lui dis, je vais me libérer une année, et je peux aller partout pour défendre le livre, pour expliquer, pour éviter que... Depuis une année, j'ai fait des milliers de réunions partout dans le monde. Est-ce que j'ai réussi? Pas du tout. Parce que des opinions sont faites. C'est trop tard. Mais je voudrais, vous, à propos du pessimisme et de la grâce, une petite anecdote. Toujours les amis d'autres, souvent, ça dit les choses beaucoup mieux que... parce que vous avez dit, qu'est-ce qui peut intéresser l'Algérie dans un grec. Quand j'ai écrit mon premier roman, Le Serment des Barbares, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a fait beaucoup plaisir, qui m'a flatté, et tout ça, de Jorge Semprún. En France, c'est Georges Semprún. Georges Semprún me téléphone et il me dit, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Alors on déjeune ensemble à Paris. Et il me dit, il faut absolument que je tourne ce livre au cinéma. Absolument, je vais aller voir Antoine Gallimard. Je vais trouver un producteur pour qu'il achète les droits et on va tourner ça. Et je vais appeler mon ami Costa Gabras. Et alors, je lui dis, pourquoi pas Costa? Alors, il me dit, sa réflexion, c'était quoi? C'était que le temps des dictatures civiles est fini. Il a fait Z, et vous savez qu'elle a été tournée en Alger. Et j'ai fait Z, c'était la description de la violence appropriée par les États. Il me dit, ce temps est fini. Maintenant, la violence est appropriée par la mosquée, par l'église, par la cathédrale, par la synagogue, par les États, c'est fini. Ça ne sert plus à rien, c'est pour gérer les problèmes de dos, de métro, des choses comme ça. Et il me dit, et ça, ce livre apporte ça. Alors il m'a dit, j'ai tourné Z avec Costa Gabras à Alger, avec Jean-Luc Trintignant, Yves Montand, et il me dit, je voudrais retourner à Alger, tourner avec Costa Gabras, Le Serment des Barbares, ces deux... Voilà, et donc, voilà le lien, la fin des dictatures militaires, en réalité, c'est pas 1989, la chute de Berlin, c'était avec Z, quand la fin des régimes des colonels, c'est là que le commencement, parce que tout se fait en Grèce depuis que le monde est monde. Les racines sont toujours là, quelque part. Et lui, c'était son analyse. Quand il m'avait dit ça, je n'étais pas convaincu, mais avec le temps, j'ai adhéré à cela. Il me dit, c'est pas le mur de Berlin, c'est pas Moscou, c'est la fin des colonels. Les dictatures militaires, comme ça, et même soutenues par les banques et le grand capital, ça, c'est fini. La violence est en train de passer entre d'autres mains, d'anciennes mains, c'est-à-dire l'Église, le Vatican, la mosquée, et c'est vrai. Et donc j'ai trouvé... Et ils sont venus à Alger. Donc le film, le scénario, Georges Sopran a écrit le scénario. Et avec Costa Gavras, ils sont venus à Alger pour faire les repérages. J'ai voulu tourner au même endroit. Alors j'ai dit, je leur ai dit, vous vous souvenez que... D'abord, ça va être très mal vu, parce que vous savez ce qui s'est passé quand vous avez tourné le film.
ben vous avez caché un coup d'État. Parce que Costa Gavras et l'équipe de production, pour tourner, les militaires grecs et l'armée grecque et tout ça, ils se sont adressés à l'armée algérienne. Prêtez-nous des soldats, des canons, des blindés, Et le chef d'état-major, d'accord. Parce que le chef d'état-major, tout chef d'état-major qu'il est, n'a pas le droit de sortir les blindés de leur caserne. Et surtout pas en ville. Donc il est parti baratiner le président Mbembela pour lui dire, voilà, on va leur prêter des blindés, des soldats, des camions pour tourner. Et le président avait commencé par refuser. Vraiment, jamais de la vie. Mais écoute, c'est formidable. S'ils dénoncent la dictature en Grèce, en Europe, ça va être bien vu, etc. Et pour toi, c'est très bien, puisque tu veux passer pour le Che Guevara du monde, le libérateur du monde. Et ils sont d'accord. Et donc les blindés sortent, ils avaient de vraies balles, ils avaient de vraies obus. Donc pendant qu'eux tournaient avec les soldats algériens, c'était un coup d'État. Donc, alors il y a beaucoup de choses entre la Grèce et l'Algérie.